Wolves asleep in midst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and raids. Allez, fais pas cette tête, Gérald. C'est le début de l'épisode. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher. Et aujourd'hui, nous allons suivre une quête des moires, hein, des moires de Torsechin, qui me demande d'aller à Cuterrier, la ville où nous avons commencé au dernier épisode. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on peut y aller à pied, mais on peut aussi se téléporter vu que il me semble qu'il y a un... Enfin, se téléporter. Faire un voyage rapide, voilà. Alors, oui, parce que c'est quand même pas à côté non plus, hein. Voilà, Cuterrier. Allons à Cuterrier, demander à l'échevin quel est le problème. Alors, hop, c'est là-bas, par là-bas. Tac, je ne sais plus jouer, hein. Donc on va courir, voilà, là. Il est là, c'est lui l'échevin. Ah! Échevin, bonjour. Bonjour. Quel est le problème? Ah ouais, direct, allez, comme ça. Sur mon village. Ouais. Une vraie petite perle des marais. Si vous le dites. Il a une sale tête, c'est quoi ses cheveux? On voit bien par ici. Ouais. Les hivers sont rudes, on survit. Cette non, dingue, mais mec, ça vous parle. La dingue. Non, sérieusement, quitte à avoir des cheveux comme ça, autant les couper, rase-toi à blanc, oui, je sais pas. Maître. Je savais pas que vous étiez leur serviteur. Ah bon, je préfère. Direct, il m'appelle maître là, comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Bien que je... Non, non, je suis le serviteur de personne, hein. Chose. Merde. Pardonnez-moi. J'ignorais que les dames de la forêt vous envoyaient. Elles vous aident souvent? La césure passée, tout homme leur appartient. Les dames sont sévères, mais elles sont justes. Ce sont des maîtresses exigeantes. Et la vie est ainsi faite. Comment ça, exigeante? Elles ont protégé des miasmes de mort. Elles ont ensemencé nos champs. Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous. Ici, on peut dire que... on s'en tire pas trop mal. Génial. Je vais tuer ces dames. J'en ai rien à foutre. What? Bon allez, parlez-moi de votre problème. Moi, je veux régler ça. Je veux qu'elle me dise où est Ciri. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Oh mec, ta coupe est dégueulasse, mais vraiment. Bannir cet esprit du mal. Allez, j'y vais. Là. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tekla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Mais oui, bien sûr. Certains les ont traitées de sorcières. Je suis sûr mais c'est ça des... ça ne peut pas être elles, vu qu'elles vous envoient. Je vais aller jeter un œil sur la colline. Ah, je suis sûr que c'est des grosses garde, merdes, en fait, les sorcières. C'est vous genre allez au-devant d'un grave danger. Des femmes lambda qui ne servent à rien, qui n'ont aucun pouvoir à part parler derrière un mur. Hein, parce que j'ai remarqué, hein, j'ai vu qu'elles étaient cachées derrière le mur. On me la fait pas à Gérald. À moi, Gérald, on ne me la fait pas. Bon, bah du coup, j'ai pas demandé bien. De détails, c'est pas grave. A tout à l'heure. Découvrez ce qui tue les villageois de Cuterrier. Très bien. Bon, ben allons découvrir ça. C'est par là-bas. Est-ce que c'est loin? J'y vais à pied ou je prends le cheval? Ça devrait pas être très loin. Bon, on va prendre le cheval quand même. D'accord, très bien. Allez, viens là. Ablette. Coucou, Ablette. Ça fait longtemps, Ablette. Allez, allons-y. Un arbre, deux arbres. Ah ouais, je compte les arbres, écoute. Oh voilà, c'est pour ça, j'avais envie d'éviter, évidemment,
tous ces mobs useless. Niveau 6, hein, ils servent à rien, clairement. Bon, on va suivre le chemin, comme ça je reste appuyé, je peux me gratter le nez en même temps. Avec n'importe quoi. Parce que si je reste appuyé, il va directement. Hein. Si je reste appuyé sur A. N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Découvrez d'où provient la voix à l'aide de vengeance de sorceleur. Alors, est-ce que c'est une quête principale? Pas du tout. Hein. La colline d'Olante. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir. Merde. Et du coup, c'est quoi la quête Ah. Problème. Alors, les dames de la forêt. C'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, moi, je reste sur cette quête-là, je m'en fous. C'est bien, Ablette. Découvrez ce qui tue... Les forces qui me protègent. Elles savent qui vous envoie. Ouais, mais je m'en fous. Ça, ça fait de la musique. Ah, des loups, je les avais pas vus, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh. C'est pas gentil ça de faire ça. On va descendre, on va tuer ces loups parce que merde. On est censé y avoir un passage ici. Wow! J'avais pas vu toi. Hop là! Merde. Bon, c'est bon, il n'y a plus de loup, on est tranquille. Si, il y en a encore un là. Hop là. Wow! Calme-toi! Putain, mais il est rapide! Cette voix provient de l'arbre. Non, mais je m'en fous! Ah, mais du coup, c'est la même quête en fait, peut-être. Que la voix elle vient de l'arbre. Ouais, bah il est où le truc? Découvrez ce qui tue. Utilisez vos. Pour trouver un passage sous la colline. Donc là il y a encore un loup. Allez, on va le tuer. On va s'en débarrasser. Voilà, tranquille. Il y en a encore un. Qui veut faire son mariole là-bas? C'est ça? Amène-toi. Allez. Hop là! Ah, il m'a touché quand même. Bon, elle est où, du coup, ce passage? Maintenant, c'est bon, il n'y en a plus. Oh, mais c'est pas possible! Il y a des loots partout! Alors, il y a un passage là-bas, mais je ne pense pas que c'est ça. Hein. Quoi qu'ils me disent, utilisez vos sens de sorceleur pour trouver un passage sous la colline. Et il me montre ici. Bon. Je vois pas pourquoi il me montrerait ici. On va aller là-bas, on va voir. C'est peut-être là-bas. De la magie. Ah. C'est un site d'énergie. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fout là, l'enfant? Il est mort? What? Bah, déjà, il y a un marqueur là-bas, c'est bien ça. Bon. Par où passer? Là. Non, non. Problématique. Je ne sais pas par où passer. C'est plein de rochers comme ça. On va passer de ce côté peut-être. Oh, un loup-garou. Très bien. Bon, il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un passage quelque part par là. J'ai dû rater quelque chose. C'est pas possible. Utilisez vos sens de sorceleur. C'est bizarre. Là, il y a quelque chose. Voyage rapide, mais on s'en fout. Mon dieu. Mais genre, mais on s'en fout complètement. Bon, on va passer par là. On va aller là-bas. Là, il n'y a pas de passage. On va tuer le petit loup-garou, hein, parce que...
Partez. Partez. C'est ça là-bas ? Pas. Aïe aïe aïe. Oh, calme-toi, calme-toi. Non, 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 reviens où tu es. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Hop là. Allez, brûle ! Brûle ! Aïe aïe. Allez, Gwen. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Il se transforme. Tiens, prends ça ! Prends ça ! Aïe 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 aïe. Non, 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 tu me feras pas mal. Voilà, allez, viens. Allez, viens là, mon petit... Wow. Doucement. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà battu plus fort que toi, hein. Faut pas déconner. Hop là. Hop là. Merde, il est trop loin. Wow. Putain, ça. C'est quoi ces musiques, je les connais pas. Putain, il récupère de la vie. Tiens, tiens, tiens. Meurs, voilà. Il est mort. Reculez. Partez. Partez. Bon, la voix s'intensifie par ici. Donc c'est possible que... C'est possible que ce soit par là. On va rester ça. Comme ça, on va gagner des vies. Et... Non, peut-être pas des vies. Un point de compétence, déjà, c'est, très... c'est déjà fuyez, très bien. Fuyez. Et tais-toi. Elle est où, cette grotte? Elle est là-haut. Je te vois. Est-ce que c'est par là? Ah oui, ben oui, c'est sous terre, en fait, que le point de repère. D'accord. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, ça ne brûle pas. Hein. Bon, ben, on va descendre tranquillement. Plonger. Alors c'est par où? Hop. C'est par là-bas. Tranquille. Bon, pour l'instant on n'a pas à s'en faire. On va nager un peu vite, hein, parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. J'ai du contenu à faire, hein. Et oui. En plus on voit que dalle sous l'eau. Voilà. Hop là. Alors, voyons voir, je suis au bon endroit, je pense. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Ah, c'est un loup-garou, ça va, calme-toi. Venez-vous mettre fin à mon existence? Vous me What? Mais c'est une plante! Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, elle a une voix assez gentille, donc... vous dites que je peux vous libérer? Pourquoi ai-je été attaqué? Un loup-garou quand même. Prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux et ma forêt me protège. Vos bourreaux? Les sœurs assassines. Elles ont détruit mon corps et convoitent maintenant mon âme, car j'ai osé le défier. What? Mais c'était quoi ton corps? Parce que t'as des intestins assez... assez énorme, on va dire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis curieux, là, franchement, je suis curieux. J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Et ont maudit mon fantôme. Je n'ai jamais entendu parler d'un cercle de druides à Vélène. J'erre pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fond. What, sa voix, elle a changé? Au gré du vent. Elle a carrément changé sa voix. Pourquoi vous ont-elles tué? Pourquoi vous ont-elles tué? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces moires. Ouais, mais je vais pas les laisser faire. T'as l'air tout gentil, ciel, en tout cas. Elle, je l'ai payé cher. Ah, j'avoue, t'as une sale gueule. Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? On s'en fout des cadavres, hein, c'est que des gamins. On va la foutre. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants,
Je sais tout. Je connais le sort qu'il aura réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Wow, attendez. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Attendez. Les enfants ont été enlevés. J'ai compris. Les moires. Je vous en prie. Elle demande des enfants. Tornades. Destriers lancés au grand galop. Laissez-moi les sauver. Ah, elle peut devenir un cheval. Cool. Moi je la crois. Personnellement, je la crois. Je veux savoir c'est quoi les cadavres du coup. De femmes et d'enfants même, le long de cette colline. Ces gens-là voulaient-ils vous détruire? Pour la nature. Non, des enfants qui veulent la détruire. La forêt et la terre. Toute mort se vaut. Toute mort est égale. Je crie. Je pleure. Mais nul ne m'entend. Alors, quitte à ce qu'elle me dise pas où est Ciri, j'aimerais bien la sauver, franchement. Je vais l'aider. D'accord. Je vais vous aider. Libre, après toutes ces années. Enfin libre. Non, mais attends, t'es pas libre encore. Je t'ai pas encore sauvé. Le sang est la clé. Vous devez accomplir un rituel. Le noir des plumes d'un corbeau. Le blanc de mes os. Et une prompte monture. On va assassiner Ablette. Galop. Non. Liberté. Capturé dans un parage. Ah non, ça va. J'ai aussi eu peur. Qu'un puits s'en fout. Aussi sombre que les entrailles de la nuit. Pareille bête. Et nul autre. Trouvez-les et apportez-les ici. Très bien. Oula, ça va être compliqué ça. J'ai vos plumes de corbeau. Ah, j'ai les plumes déjà. Bah, très bien, parfait. Magnifique. Écoute, j'avais trouvé un corbeau, il avait une plume, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche au cas où, on sait jamais. Hein. Est-ce que j'ai le cheval? Non, j'ai pas le cheval, hein, évidemment. Je l'ai pas dans ma poche le cheval, tiens, bizarre. Comme de mon vivant. Alors, nous serons un ouragan. Mais c'était un cheval avant, j'ai pas compris là. Ça ressemble pas à un cheval, hein. Venant des clairières humides. Très bien. Non, je l'ai. Non, mais j'ai compris. Je sais, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais on le sait. Votre dépouille, elle est où? Je trouvais vos restes. Mes restes sont enterrés sous une butte solitaire. Tout près, à l'ouest. À l'ouest, très bien. Je reviens dès que possible. Allez, c'est parti. On va chercher tout ça. Donc, les plumes, je les ai. Et revenez dans les profondeurs de la colline, devant le cœur pourri de l'arbre. Percez. Ah, c'est le cœur de l'arbre, ça? Que coule le sang. Je comprends rien, c'est le cœur du cheval, d'un arbre. Je dois d'abord What? Être consumé. Partez à présent. Ah, tu peux te manger, si tu veux. Le passage que j'ai ouvert pour vous. Le cœur de cheval, c'est très bon à manger. Bon, trouver les ossements et l'esprit. Ah, ok, il a ouvert directement un passage ici. Très bien. Les dames de la forêt, quête. Résolvez le problème de Cutterier. Merde. Du coup, je sais pas, c'est pas la bonne quête, hein. Parce que du coup, là, résolver le problème de Cutterier. Mais par la suite, il a appris que... le sorceleur s'aventura donc résolu à dénicher cette sorcière du marais et à la questionner à propos de Ciel. Résolver le problème de Cutterier. Je l'ai toujours pas résolu. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va faire la... ouais... Bon, je vais faire la quête. Si ça fait partie du truc, tant mieux. Sinon, je couperai au montage, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah ouais, c'est problématique, ça. Tac, tac, tac. Donc, c'est celle-là. Hein. Parce que il est évident que ce let's play et le mode histoire, j'ai pas envie non plus de faire ça inutilement. Allez, on va essayer de retrouver les ossements et tout le bordel. C'est où, ça? C'est carte du monde.
Oh, c'est pas très loin. Allez, c'est bon, on peut y aller à pied. Wow! C'est pas grave. Heureusement que j'ai fait ma roulade, hein. Et merde. Oh putain. Non. Allez, on va essayer. Ah merde. Wow, 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 calme-toi, calme-toi. Calme-toi, j'ai pas tué ton gosse. D'ailleurs, elle a pas de gosse, elle. Elle a pas d'enfant sur son dos. La dernière fois, elle avait un enfant. Elle va arriver par là, très bien. Aïe, aïe, waouh, elle m'a eu. Ah, je peux pas utiliser les signes quand elle m'a eu comme ça. Ah putain, mais elle m'a eu encore, c'est pas possible. Là, 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 là. Voilà, là, je reconnais la musique. Hop là, voilà, là, je l'ai esquivé. Aïe, 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 mais c'est pas possible, elle me touche à chaque fois. Oui, t'es moche. Voilà. Toi, tu crèves. Et donc, c'est par ici. Alors, les ossements sont ici, derrière, bah, sur l'arbre, hein, au niveau de l'arbre. Non, même pas. Ah, très bien. C'est pas à l'arbre. Donc, ça doit être par ici, cherchons. Hop, hop, hop. Parce qu'il n'y a pas de cheval, hein, donc c'est clairement les ossements qu'on cherche ici. Là, c'est quoi, ça? Bah non, c'est, je viens de le tuer. Ah! Quelque chose ici. Très bien. Ça doit être ça. Malheureusement, il ne me semble pas humain. Ah non, c'est un cheval, apparemment. Allons chercher un cheval, maintenant. Où c'est qu'il y en a? Carte du monde. On fait ça rapide. Wow! C'est loin! Allez, viens là, Ablette. T'es où, Ablette? Qu'est-ce que tu fais là, Ablette? Allez, conduis-moi là-bas. Est-ce qu'il y a un chemin? Non, il n'y a pas de chemin. Hein. Par là. Là. Je peux monter là. Non, je peux pas monter. Merde. Apparemment, par là, je peux monter. Plus vite. En vif, hein, je peux monter. Mais ça passe, ça passe, ça passe. Très bien. Allez, on va courir. Enfin, courir, on va galoper. Voilà. Alors, où c'est qu'il y a des chevaux? Des petits chevaux. Il m'en faut un noir. Là, il est de quelle couleur, lui? Il est noir, non? Il est marron. Ah merde, c'est pas le bon cheval. Voilà. Désolé pour le téléphone. Allez, U. Allez, U. Bon, ça va qu'il n'y en avait qu'un. Du coup, on peut le conduire à... On peut le conduire là-bas directement. Voilà. Joli arbre. Mais j'aimerais bien avancer. U. Ok, où il va, où il va, où il va, où il va. Ralentissons. Voilà, c'est par là. Hein. Ça y est, ça recommence le bruit. C'est la musique. Elle est bizarre, vraiment, cette musique est vraiment bizarre. Donc, il faut descendre par où je peux descendre. Faut que je fasse le tour, hein. Bon, on va refaire le tour, très bien. Ah non, le passage est ouvert, effectivement. Suis-je bête? Suis-je bête, suis-je bête? Le passage ici est ouvert, donc on ramène ce cheval. Moins vite. Et rebonjour. Je suis là avec le cheval et les ossements, que j'ai mis dans ma poche. Allez, transforme-toi. Et tu seras ma nouvelle Ablette. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Bon, j'espère que j'ai pas fait une connerie.
Duper l'entité dans l'arbre et la détruire. En fait, je vais vous tuer. Ah! Je ne sais pas. Écoutez, je vais suivre mon instinct et je vais commencer le rituel. Les moires seront sûrement pas contentes, mais je les aime pas. Libre j'étais. Libre je serai. Je serai à nouveau. Je vous offre votre dépouille. Cher j'étais. Cher je serai à nouveau. Et je vous offre ce cheval. Cheval j'étais. Et cheval je serai. Ah, ah non. Ah oh, c'est dégueulasse. Allez, emmène la monture, bois le sang un peu. Oh, tu as peur, hein? Tapette. Ah, mais il boit vraiment le sang en plus. Ah, dégueulasse. Wow, il a les cheveux rouges. Ah oui, il a les yeux rouges maintenant, par contre. Cool. Libérez les enfants. Il est vraiment beau. Je vais honorer mon serment. Ah, mais c'est elle qui tenait les... merde. Ah, j'ai résolu le problème, c'est bon. Bah voilà, c'était... ça faisait partie de la quête principale, très bien. Par contre, ouais, non. C'est elle qui tenait... j'ai pas compris pourquoi elle tenait les enfants en otage. En tout cas, il y a un truc là à ramasser. Poussière de diamant, très bien. Et je peux pas récupérer le cheval, alors. Dommage. Il était beau, hein. Allez, la sortie, elle est par là. Merde, où il est? Oh, il est parti. Ah, il s'est barré. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah tant pis, hein. Il s'est barré, il s'est barré. Qu'est-ce que je te dise? Qui c'est, eux? Ah, bah c'est... c'est les chemins. Le loup-garou est mort, ils vont croire que c'est que c'était ça le problème. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre était possédé par un esprit. Non, je l'ai pas détruit, donc... Ah! Ouais, l'arbre était possédé par un esprit, je vais pas leur cacher, hein, ça sert à rien. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? Je l'ai tué? Peu importe. Régler le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien à toutes ces histoires. Tant mieux, parce que là, si j'aurais dit, si j'aurais dit, forêt, comme vous les appelez, que je l'avais libéré, de vous réclamer leur dû. Je crois que je me serais fait. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. What? Oh là là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je le sens pas. Le mec, il va se l'enfoncer dans le cœur ou un truc comme ça, non? Harakiri. Ah, il s'est coupé l'oreille. Ah, énorme. Dommage qu'on va pas sans l'oreille. Ah si, on le voit. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois... N'y pensez pas. Ah, d'accord. Vous serez bientôt partis, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Vélène est une terre désolé, je vais tuer les moires. Hein. Des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger. D'une manière ou d'une autre. Ah mais je suis désolé, elles vous ont rien fait. C'est moi qui suis venu vous sauver. Donc dans tous les cas, elles ont strictement rien fait. Ah bah je suis revenu au village directement, bah très bien, j'ai pas besoin de faire le voyage. Tant mieux en même temps. Hein. Et on ramène le petit oreille plein de sang. Moustache? C'est pas des moustaches. C'est une oreille, c'est pas une moustache. What the fuck? Mais elles sont dégueulasses en vrai.
Ah, tu m'étonnes que je comprends rien à ce qu'elle dit. Différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien. Ah, c'est bien vrai, ça. Ah, énorme. Je comprenais pas pourquoi je. Elle parlait comme. Ben, en fait, c'est juste qu'elle avait un masque. Enfin, un panier, hein, c'est même pas un masque. J'aime pas ces femmes. Je vais vraiment les buter. Putain, elle a une main et tout à l'intérieur, mais elle fait la collection ou quoi? Encore une fois, tu as désobéi. Comment ça, elle a désobéi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as laissé les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorcellaire. Ah, ça, c'est des vraies sorcières, hein, putain. Avec le... la verrue, le nez crochu... Elle est ici par choix. Elle a une dette envers nous. Elle est folle. Elle connaissait les termes de notre pacte quand elle l'a accepté. Nous l'avons aidée. Elle a promis de nous servir. Bon, elle, désormais, on voit pas leur tête, hein, mais bon. Elle porte notre marque. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Je peux vous tuer? Vous êtes servi de moi? Vous ne ressemblez... Je suis pas content, vous ne ressemblez pas à la pâtisserie, bah oui. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Oh, magnifique. Ah, j'ai compris ce qu'elle a dit, tiens. Ouais, carrément, ouais. Vous êtes polymorphe? Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta sève jusqu'à la dernière goutte. Ça devient dégueulasse, là. Je peux te procurer un plaisir mortel. Ouais, non, j'en merci, doute pas. Je ne suis pas venu. Ouais, merci. Très bien. Vous êtes servi, vous êtes de, servi moi, de moi. Je suis pas d'accord, hein. As-tu détruit la source du mal? La paix est-elle revenue en notre domaine? Non, je l'ai pas vraiment détruit. Vous entendez? Tiens, dégage. Traître. Oh! Venez vous battre. J'ai tenu parole. J'ai aidé les villageois comme convenu. Ils sont en sécurité à présent. Tu t'es moqué de nous. Tu nous as dupés. Bah, un peu en fait, parce que... qui était l'esprit? J'aimerais bien savoir ce qui... c'était qui l'esprit, une en fait. Une femme, hein, qui a cru pouvoir échapper à la mort. Tu as libéré une force très ancienne. Elle va recouvrer ses forces. Hors de notre portée, le sang coulera à nouveau. Ah, très bien. Bon, allez, parlez-moi de la femme que je cherche, là, parce que... À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un tout, terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Ah, comme si elle était notre propre fille. Peine ça perdue. Fait peur quand même. Hein. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante. Ah, je reconnais Cyril là. Et insensible. Ah non, apparemment, moi oui, mais lui non. Bon, où je elle est? Je ne crois pas. Vous m'avez donné votre parole, ah, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous d'accord, de toute façon... Ok, what the fuck, il y a une cinématique, il y a quoi? Nous avions lu sa tenue dans les entraves. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. C'est très mignonne. Au début, nous n'étions pas sûrs quelle fut la personne annoncée. L'enfant de son ancien.
l'engeance brûlant de mille feux. Oh, comme elle apporte, genre un petit caillou, le truc. Nous la tenions entre nos mains. Ah, c'est dégueulasse, les seins qui pendent et tout, mon dieu. What? Le sang, ancien. Le sang de la prêtresse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah non, c'est juste qu'elle saignait, hein, c'est tout. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Venez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura. Bien dit. Wait. Inutile d'être wait. Je pense. Non, je suis pas d'accord. Parfait pour un bouillon. Bon, j'ai bien fait de libérer l'autre, hein, parce que eux, c'est vraiment des salopes. L'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Vas-y, dégage. Siri, va-t'en. Ah, c'est bon. Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. D'accord, donc la chasse sauvage est à ses trousses, hein. Reviens. Lorsque vous incarnez Cyrilla, vous n'avez pas accès à l'inventaire et ne pouvez pas utiliser de signes. Parce que c'est pas une sorceleur. D'accord. Bon, bah écoutez, un peu de suspense pour la prochaine fois. Nous reprendrons à Cyrilla, évidemment, hein. Mais dans le prochain épisode et pas dans celui-là. J'espère que cet épisode vous aura tout de même plu. Hein. Bisous à tous, bye bye.